nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, année B, l'évangéliste Marc nous appelle au service. C'est lui qui veut être parmi vous, le premier, sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Les disciples du Christ se sont laissés prendre au piège. Ils en étaient venus à se poser la question: qui est le plus grand? Qui est à la première place? L'évangile de ce jour nous apporte une réponse. Ce beau texte de l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 35 à 45, se situe au moment où, au cours de son parcours terrestre, Jésus révèle à ses disciples qu'il va affronter la mort. C'est une étape redoutable. Mais ses apôtres ne semblaient pas avoir compris. Et ils sont préoccupés à rechercher leurs aises, les premières places. Ils pensent plus à une action glorieuse du Seigneur qu'à sa mort sur la croix. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître, indique le chemin de la grandeur. Le chemin de la grandeur est dans le service. Sœurs et frères, aujourd'hui, tout le monde parle de service. Tous se disent en situation de service. Le commerçant est au service de ses clients. L'infirmier, l'infirmière, le médecin est au service de ses malades. L'enseignant est au service de ses élèves. On dit de tous ceux qui exercent une fonction sociale qu'ils rendent service ou qu'ils sont de service. Il est bien évident que le service dont parle l'Évangile est tout autre chose, même si en soi il n'exclut ni ne disqualifie forcément le service de tel qu'on l'entend dans le monde. La différence est tout entière dans la motivation et l'attitude intérieure qui porte à rendre service. Pour mieux comprendre ce que je dis, nous pourrions relire l'évangile de Jean, le récit du lavement des pieds, pour voir l'esprit dans lequel Jésus l'a rempli et ce qui l'a poussé à agir ainsi. On note bien qu'après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Le service trouve sa source dans la charité. Il est l'expression la plus noble du commandement nouveau. Et Saint Jean nous le dit si bien. Servir a en propre d'aimer, non pas en parole et de langue, mais en acte et en vérité. Confère Jean, 1er épître de Jean, au chapitre 3, verset 3 à 18. Le service est donc une manifestation de l'amour, de cet amour qui ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13, verset 5. Sœurs et frères, notre Église ne repose pas, comme nous le savons, sur les calculs et les puissances humaines, mais sur Jésus crucifié et sur le témoignage cohérent que lui a rendu par amour pour nous en tant que premier-né d'une multitude de frères. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, venu en ce monde pour nous donner la vie. Ce témoignage du Christ qui appelle le nôtre
exige héroïsme et don total de soi pour Dieu et pour nos frères. Chaque chrétien sait qu'il est appelé à une fidélité sans compromis, qui peut également demander un sacrifice extrême. Aujourd'hui, nous avons besoin de frères et de sœurs dans notre communauté, dans notre pays et dans le monde, qui soient au service de la justice et de la paix. Mes frères, la guerre fait des ravages. Le service à rendre aujourd'hui, par tous et par chacun, c'est d'être au service de la justice et de la paix pour que la guerre cesse. Et vous, on meurt. Pourquoi? Quelquefois pour rien. Mais vivons-nous pour rien? Non. Cessons, sœurs et frères, d'être au service de la mort. À cause de la guerre, chaque jour, la mort fait son œuvre dans le monde, dans notre pays, par la violence à la fois aveugle, rusée et insidieuse, par les représailles vengeresses, cyniques et iniques. On est quelquefois plongé dans une situation de déconfiture totale, où guerre ou nébuleuse et sardonique se côtoient, et le corollaire étant simplement des frères qui quittent cette terre. Mettons-nous au service de l'amour. C'est un appel au service. Et cet appel au service est aussi pour nous tous. Et la direction que Jésus indique est une direction à sens unique. Il s'agit de sortir de nous-mêmes et de servir. Non pas servir en nous servant, mais d'être au service de la vérité, de l'amour, de la charité et de la justice pour plus de paix et de fraternité. Ce voyage pour le service, c'est un voyage sans biais de retour. Il s'agit d'accomplir un exode de notre moi et de prendre sa vie et d'accepter de perdre sa vie pour nos frères, pour Dieu, en suivant la voie du don de soi et du service. Voyez-vous, Jésus n'aime pas les chemins parcourus à moitié, les portes laissées entrouvertes, les vies à deux quais, les vies transformées en salles d'attente, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrant dans le combat au service de la paix et de la fraternité. Sœurs et frères, le disciple du Christ ne se dresse pas et ne saurait se dresser sur les piédestaux branlants des pouvoirs de ce monde pour se complaire à regarder les autres d'en haut et à les écraser. Le Fils de l'homme est appelé à transformer certaines visions verticales, déformées, partielles et partiales, de l'Église, du ministère épiscopal, du ministère presbytéral, où finalement le service est oublié et où l'on travaille à avilir l'autre. Oui, toute la Bible nous dit que Dieu se met au service de l'homme. Il est celui qui a vu la misère de son peuple. Ne formons pas notre cœur à la misère de notre peuple. Tant de frères meurent de faim. Tant de frères meurent de soif. Tant de frères, en ce temps où on parle beaucoup du coronavirus, ne peuvent pas s'offrir un cachet, encore moins un vaccin. Oui, on ne se moque pas de Dieu. Nous ne nous moquons pas de Dieu en nous moquant de nos frères. Dieu s'est fait petit,
humble et serviteur pour nous aider à mieux accepter le salut qu'il nous offre. Oui, Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit que le Christ a partagé nos épreuves. Il est celui qui nous fait grâce et nous obtient la miséricorde. Qu'il nous prenne en pitié, qu'il nous soutienne dans ce combat pour la fraternité, pour la paix. Là est notre grandeur. Voyez-vous, c'est le renversement des valeurs qui sera la règle. La norme pour être au premier rang ne sera ni nos titres, ni nos avoirs, ni notre savoir, mais la qualité de notre service auprès des autres. Le modèle que le Christ nous a laissé nous mobilise au meilleur de nous-mêmes, non pas pour écraser, encore moins pour dominer, mais simplement pour être au service des autres, mais pour que nous devenions humbles et pauvres. Acceptons de nous incliner profondément et de demander la grâce du Seigneur. Car seule sa grâce peut nous donner d'obtenir ses grâces. Oui, aujourd'hui le Christ nous pose encore la question. Que voudriez-vous que je fasse pour vous? Allons-nous répondre? Nous voulons être en gloire à tes côtés, rêvant d'un monde facile qui ne sera plus le nôtre? Non. Acceptons de porter notre croix et de le suivre sur le chemin du service et de l'amour. Que ta grâce, Seigneur, nous dévance et nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Donne-nous, Seigneur, la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Amen. La paix soit avec vous. Bon dimanche à tous.